Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grand-mères les tricots qui tricotent. Les amis, j'ai le démon. Oh là, on a perdu une fois de plus contre Monaco. On a perdu contre des duchesses. On a perdu contre des rois. Oh là, hier au Vélodrome, c'était Game of Thrones, la vie de ma mère. Un truc de niqué, vos grand-mères les trolls qui veulent le trône. C'est un truc de fou. Oh là, que c'est pas juste. Déjà, je comprends pas, on arrive à 3-3. Ça y est, c'était plié, 3-3. Ils en pouvaient plus, les monégasques. Oh là, leurs grand-mères qui mettent des casques. Ils en pouvaient plus, 3-3. Une seconde après, ils mettent un quatrième but. C'est quoi ça? Wallah, oh c'est quoi? Je comprends pas. On aurait dit un baby-foot. Vous voyez, un baby-foot, quand tu marques contre ton collègue, il met la balle au centre, boum, gamelle. Et c'est bon, voilà. Oh y en a marre. Johan Pelé, t'es nul, la vie de ma mère. Nul, 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 wallah. Oh il est pas bon, c'est pas un gardien de golf. C'est pas un gardien de foot, voilà, c'est un gardien d'immeuble, ce mec. Ou c'est un maton, un gardien de prison, je sais pas, moi. Va garder autre chose, voilà. T'arrives pas à garder les cages de l'OM, va garder autre chose, s'il te plaît. La vie de ma mère, Joséphine l'ange gardien. Maintenant, c'est Johan Pelé. Toi, t'es pas l'ange gardien, c'est la vie de ma mère. Tu nous mets dans la merde. Tu nous mets dans la merde, frère. Aucun talent, dégagement sur la touche. Le ballon, tu le prends, tu le jettes dans tes cages. Et ta grand-mère, c'est bon, voilà. Ta grand-mère, la cage, qui joue au goal à goal. Voilà, espèce de fou. Ça me fout le démon, ça. Ça me fout le démon. Maintenant, Benjamin Mendy, espèce de traître, va. Oh, les amis, c'est moi ou c'est un bâtard, ce gadjo? Il a traversé toute l'Europe pour marquer. Voilà, oh, c'était un TGV, le type. Voilà, oh, Benjamin Chicha, un chichalogue, le type, la vie de ma mère. Benjamin Mante. Voilà, oh, c'est plus Benjamin Mendy, c'est Benjamin Mante. Chicha la Mante. Le mec, un chichalogue, il vient, il nous brise nos rêves. Voilà, oh, et le pire, c'est qu'à la fin du match, il fait quoi? Il va voir les supporters, séance de dédicace, et va dédicacer ta grand-mère, sale bâtard, va. Hier, j'ai vu que tu voulais marquer contre l'OM. T'as tout fait pour marquer. Frappe de 40 mètres. Un arrière-gauche, les amis. Un arrière-gauche, il s'est retrouvé. Il est rentré avec le ballon dans la cage. Voilà. Mais faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter, putain de merde. Donc voilà, ça me fout le démon, tout ça. Et après, voilà, je voulais remercier Dimitri Payet. Voilà. C'est plus Dimitri Payet. C'est Dimitri Suarez. Un but à la Suarez, il nous a mis hier. Incroyable. Sur une passe de Lionel Tovin, Maradona, Diego Tovin. Magnifique action. C'est le carré magique qu'on aime, voilà, le carré magique, c'est ça. Mais il n'y avait pas Gomis, il n'y avait pas Maxime Lopez. Voilà, d'habitude c'est Kinder Maxime, mon Kinder préféré. Là c'est, voilà, c'est Maxime Lopez. Je suis désolé Lopez, t'es le sang, t'es mon petit frère, t'es mon petit neveu. Mais contre les grosses équipes, voilà, que tu les respectes trop, tu les respectes trop. Tu dois pas les respecter, ces grosses folles. La vie de ma mère, Monaco, le Rocher, t'es sérieux quoi? Là-bas il y a un casino et deux yachts, faut arrêter. Voilà, faut arrêter. C'est pas, c'est même pas dans la France. Voilà, c'est une principauté. Vos grand-mères les principautés. Qui ont des principes de pute. Non mais c'est grave ça, c'est grave. Maxime Lopez, on attend plus de toi. Voilà, et voilà, Cabella, Rémi Cabella. D'habitude, il confond le Vélodrome avec le Dôme de Marseille. Il croit c'est le concert de Jules. Dès qu'il rentre, il est là. Ouais les gars, on est Chiquita. Et ta grand-mère sur la vie de ma mère. Donc hier, Rémi Cabella, tu m'as fait plaisir. Pourquoi j'ai le démon et pourquoi tout le temps j'insulte Rémi Cabella? Parce que ce mec, j'insulte. En fait les amis, j'insulte les gens que j'aime. Voilà, les gens que j'aime, je les insulte. Rémi Cabella, si tu serais pourri, même pas Giri, t'es pourri, mais t'es pas pourri, t'es un génie. T'as le même potentiel que Cristiano Ronaldo. Et les amis, vous pouvez rigoler ce que vous voulez. Avant, comment on l'appelait à Montpellier? Comment on l'appelait? On l'appelait CB7, la vie de ma mère. CB7, comme CR7. Donc voilà, les amis. Donc voilà, putain, on a perdu contre ces. Voilà, on a perdu contre des duchesses, les amis. Des aristocrates, voilà, je comprends pas, moi. Équipe de fatigués. L'autre Mbappé, Mbappute. Falcao, il était pas là. Et on perd quand même. La vie de ma mère, c'est pas normal, voilà, c'est pas normal. Mais moi, je me pose une question, est-ce que la Coupe de France ne serait pas, je vais pas dire truqué, le match a été acheté, pas du tout les amis, mais au niveau du calendrier, il faut arrêter. Regardez, on a affronté qui en Coupe de France? Regardez, on a affronté qui? C'est à peine les huitièmes de finale. On a affronté Toulouse, on a affronté Lyon, on a affronté Monaco. Oh frère, c'est la Coupe de France ou c'est la Coupe du Monde? Voilà, faut arrêter, putain de merde. Ça tombe que sur nous, alors que le PSG, ils ont joué contre Niort. Voilà, vos grand-mères qui habitent à Niort et qui m'ignorent. Faut arrêter, c'est un scandale. Voilà, c'est un gros scandale. Ils tombent contre Niort. Là, ils sont tombés contre une équipe, je sais même pas c'est quoi, l'Ardèche ou Amrèche. Imprononçable, non, imprononçable. Voilà, c'est grave ça. Et nous, on tombe que contre des équipes. Donc voilà, Bernardo Silva, il dribble 8 joueurs dans la surface. C'est pas normal, voilà. Maintenant, la défense de l'OM, faut m'expliquer. Vous êtes défenseur, mais vous défendez quoi? Vous défendez quoi, putain de merde? Il y a tout qui passe, voilà, il y a tout. Voilà que c'est grave, putain. Bon, les amis, voilà, on reste quand même. On encourage notre équipe, on les aime et tout. Voilà, c'est un faux pas de plus. Mais là, c'est plus des faux pas, là, c'est des faux. C'est des grands écarts, voilà. Allez, faites le M, les amis, je vous aime.